cet air si sérieux. Voici une énigme pour toi, héros. Sortiras-tu d'ici vivant? Pourra-t-il te sauver? Pardon cette situation de rien burlesque, mais je trouve ça hilarant, l'extraterrestre venu d'un autre monde enchaîné. Comble de l'ironie. Qu'est-ce que tu veux? Moi? M'amuser? Non. Non, non, pas ça! Pas ça! Des anges, saison 8. Des anges? Excuse-moi de te déranger pendant ta purge intellectuelle journalière, mais c'est normal qu'ils soient tous débiles. Et là, la caméra elle est dans le champ. Tu la vois là? Tu le vois le caméraman? C'est normal? On s'en branle. Ah d'accord, on s'en branle. Raison ou est-ce qu'il a tort? Est-ce que t'es tort? Il a tort. Après, quand il faut pousser un peu plus, il n'y a plus personne. L'histoire de l'humanité s'est fait souder et tu trouves ça normal? T'imagines quelqu'un de normal qui regarde ça pendant plusieurs heures, tu vois? Mais il peut devenir amnésique, débile, complètement friable, manipulable. Je vais aller faire l'épisode de Batman tout seul. Toi, tu vas rester ici. Tu vas penser à ton avenir. Connard. Raphaël et Coco sont officiellement enceintes. Lui. C'est quoi ça? C'est pour qui ça? Merde! Bon. À l'occasion de la sortie de Batman vs Superman. Quoi? Oui, ça fait 3 mois, mais faut bien la faire un jour. Il me semblait intéressant de revenir sur le passé historique du Chevalier Noir. Batman est. Je ne l'apprends à personne, je pense, un héros de comic book. Il apparut pour la première fois dans le numéro 27 de la revue Detective Comics en mai 1939. Et non, il n'est pas responsable du commencement de la Seconde Guerre mondiale. Alors les adaptations de Batman, hein, y en a une chier. Que ça soit en jeu vidéo, en roman, en série, mais surtout en film. Batman est mis en scène pour la première fois en 1943 dans une série télévisée. Y a pas grand chose à dire sur cette série, si ce n'est que c'est une vieille série. Et que Batman est malheureusement complètement dépourvu de style. Non mais regardez-moi ce pif! C'était quoi le projet là, le croisé avec Pinocchio? Il y eut 8 films consacrés à Batman de 1966 à nos jours. Les plus connus sont les adaptations de Christopher Nolan ou encore de Tim Burton. Mais ce n'est ici que la moitié de ce qui a été réalisé autour de l'univers du Chevalier Noir. Le premier film est réalisé suite au succès de la série TV du même nom, Batman. Alors si vous aimez comme moi le Chevalier Noir, l'univers, la noirceur, le glauque, ne regardez pas ce film. Voilà. Si vous l'avez déjà vu, je suppose que vous vous êtes pendu. Ça, faut pas le voir. On y suit les aventures d'un héros dépourvu de style, encore une fois, mais aussi d'intelligence, de réflexion, de charisme, de jugement. Bref, un Batman complètement con, quoi. Donc, en conclusion, c'est pas un mauvais film, mais ne le regardez pas. Regarde-moi! Oh, le synchro de la fenêtre pop-up, c'est génial, c'était bien fait ça. C'était bien fait ça. On ne peut pas arrêter le chaos. Mais eh bien, ne sois pas surpris. C'est un ordinateur portable du con. Ah oui, il y a la batterie du coup, ouais. Eh bien, tu m'as pas l'air futé. Mais qui êtes-vous? Désespérant. Et c'est ça que je dois défier? Ton ami t'a pourtant présenté comme un héros. Un maître dans l'art de la déduction, mais tu m'as l'air d'avoir le charisme d'un babouin à qui on aurait coupé les couilles. Répondez à ma question, qui êtes-vous?
et j'apparais pour la première fois dans la série télévisée que tu viens d'insulter. Je suis un ennemi du chevalier noir, je suis mystérieux, maître de l'énigme et extrêmement sexy, mon prénom est Noir, mon nom est Nigma, je suis... Edouard Nigma, l'homme mystère. Ding ding ding, vous avez gagné une boîte de jeu, merci d'avoir joué avec nous, nous vous rappellerons. Mais attendez. C'était quoi? Ta gueule, toi! Buma? Pour sauver ton sauveur, il va falloir accepter mon défi. La télécommande qui t'a été livrée n'allume rien, elle transporte. Trouve la bonne combinaison et tu seras directement amené à ton ami. Sinon, tu assisteras à sa mort en direct sur ta chaîne. Transporte? Mais où? Une question est égale à un euro d'un moins sur ton copain extraterrestre. Ok, c'est bon, j'accepte. Très bien. Je dois admettre que je m'attendais à ce que tu renonces et que tu le laisses mourir. Je te rappelle que tu n'as pas été capable d'écrire le générique de Star Wars sans faire des fautes d'orthographe. Si j'avais pas... monde qu'un enfant de 10 ans les aurait remarqué. Allez, va, pose ton énigme. Écoute-moi bien. Je n'étais pas voulu, mais pourtant mon réalisateur a choisi de me faire confiance. Michael Keaton. En effet, il ne devait pas incarner l'homme chauve-souris dans le Batman de 1989. Les producteurs ne le trouvaient pas assez convaincant pour incarner l'homme chauve-souris parce qu'il n'était pas assez carré. Mais Tim Burton a quand même imposé sa vision de l'homme chauve-souris. Il voulait un mec normal. C'est beau quand c'est dans ce sens-là, quand c'est le réalisateur qui impose au producteur, ça c'est beau. Pour le premier Batman, Jack Nicholson aurait empoché 60 millions de dollars pour son interprétation du Joker. C'est quand même un des premiers films de Tim Burton. La vision de Tim Burton a été répétée dans les autres. C'est lui qui a apporté cette version glauque, un petit peu Gotham crade. Tout ce qui sortira après, que ce soit film, jeu, série, BD, s'inspirera du côté glauque de Tim Burton. Vroom vroom, tu restes sur place, je m'efface. C'est moi ou ces énigmes, c'est de la merde? Je t'ai entendu, trou du cul. Vous allez me faire l'épisode en rime tout le temps, ou c'est quoi le projet? Ta gueule et réponds à ma question. C'est là que tu vois que le scénariste il était mauvais parce que l'homme mystère il est pas grossier normalement. Ferme-la. D'accord. Bon bah au moins c'est clair. Derrière cette énigme moisie se cache le nom de Joël Schumacher. Bon, le vroom vroom, c'était pour Michael. Donc on est quand même sur du très mauvais. C'est quand même mauvais, ce que vous faites. C'est mauvais. Le pire réalisateur des Batman connu à ce jour, Joel Schumacher, a essayé lui aussi d'imposer sa vision en s'inspirant de Tim Burton et des comics, de mélanger un peu tout ça. C'est quand même les Batman qui ont le plus le style de comics. Les couleurs qui dégueulent. C'est très stylisé comme truc. Pas beau, hein, stylisé. Joel Schumacher... Schumacher ou Schumacher, je sais pas le dire. J'ai vu Batman Forever, surtout parce que Jim Carrey était un méchant. Il incarnait Enigma. Oui, il y en a qui avaient du style. Et vraiment, le voir un méchant, c'est vraiment... c'est une tuerie. T'en regrettes presque qu'il y ait Batman derrière. Christian Bale a passé le casting de Batman Forever pour incarner le rôle de Robin. Les rumeurs racontent que personne ne pouvait s'encadrer sur le plateau. Jim Carrey et Tommy Lee Jones ne se seraient pas adressés la parole en dehors des répliques. Merci Michel. D'ailleurs, pour les dialogues, dès la première réplique du film, t'as compris. Puis-je vous convaincre d'emporter un sandwich avec vous, monsieur? J'irai au restaurant. Et aussi, le principal défaut de Batman dans ce film, c'est pas son orgueil, c'est pas la vengeance. Non, c'est sa bite. Le pique-nique familial, ce n'est pas du tout mon genre. On pourrait quand même essayer. J'apporterai le vin et vous... vos cicatrices névrotiques. Mais Batman! Pas Batman! T'as pas le droit de faire ça à Batman! Attends, c'est pas le pire, hein. Il en a pas fait qu'un, le mec, il en a fait deux. Batman Forever, avec Val Kilmer. Ah, ça rime, tiens. Ah, c'est marrant. Il a fait Batman et Robin avec George Clooney. George Clooney en Batman. George Clooney, c'est urgence. Quand tu seras congelé, cette glacière retombera comme une pierre sur Gotham. Freeze,
dégivré. Freeze, dégivré. Batman est physiquement mort en 1997. Batman est décédé, complètement décédé, en 1997, au cinéma. Est-elle Jésus ? La résurrection de Batman se fait en 2005 grâce à Dieu. La sortie de Batman Begins remet une image qui est d'ailleurs maintenant l'image de base. Nolan voulait que le personnage de Batman et l'univers de Batman soient réalistes. Le côté réaliste de l'histoire rend Batman crédible en fait. Durant le tournage de Batman Begins dans les rues de Chicago, un mec bourré est rentré en collision avec la Batmobile par panique parce qu'il a cru que c'était un vaisseau alien. Kenny Reeves, Jack Gyllenhaal ou encore Joshua Jackson avaient été envisagés pour se glisser dans la peau du Chevalier Noir. Tout comme Henry Cavill, qui sera plutôt choisi pour jouer Superman dans Man of Steel. Pourquoi cet air si sérieux ? Mais bon là, faut être mauvais. Évidemment, le deuxième Batman de Christopher Nolan, The Dark Knight, qui est certainement un de mes films préférés, le Joker n'avait jamais été interprété comme ça avant. Heath Ledger est rentré dans la pop culture. D'ailleurs, petite anecdote, il a tourné lui-même les séquences de l'Ultimatum, le mettant en scène en train de torturer des victimes avec vis. Pendant 6 semaines, Ledger s'est enfermé dans une chambre d'hôtel où il s'est occupé à faire une liste de ce qui pourrait faire rire le Joker, laquelle incluait des mines antipersonnelles, des bébés aveugles, ou encore le sida. La trilogie de Nolan prit fin en 2012 avec le dernier opus The Dark Knight Rises, et surtout la mort spectaculaire de Marion Cotillard au cinéma, digne de Buzz l'éclair. Et arriva Zack Snyder. Bon, alors là normalement c'est le moment où j'insulte Batman vs Superman. D'ailleurs j'ai jamais compris le titre, c'est Batman vs Superman ou Batman vs Superman, je ne sais pas. C'est le moment normalement, là, de la vidéo où je lui chie dessus littéralement, mais je le ferai pas. Pourquoi ? Parce que c'est dégueulasse. Chier sur un DVD, après on le fout dans le lecteur et ça en fout partout, c'est dégueulasse. Non, c'est pas finalement un mauvais film. Tout le point négatif de Batman versus Superman, je vais le dire comme ça, hein, c'est toute la promo qui est autour finalement. Nous a vendu le combat du siècle pour qu'on leur donne des billets de 50, mais on l'a pas quoi. Finalement on l'a pas, tout le combat est moral. Ce qui gâche vraiment le film, c'est la 3D. Je suis désolé, je ne supporte pas les films en 3D, il va falloir arrêter d'en faire. Je sais qu'on paye 4€ la place plus chère, mais c'est pas, ça ne marche pas. Mais enfin, Zack Snyder a un style hein, qui ne me plaît pas, mais c'est une question de goût. Le film Batman solo a été annoncé il y a peu, il y a un petit mois je pense, et ça serait apparemment, bon il n'a pas été content qu'on le dise, mais ça serait apparemment Ben Affleck qui l'écrirait, le réaliserait, et avec lui en personnage principal. En fait, il n'y aura que lui dedans, il n'y aura rien d'autre, mais il n'y aura que lui. Et j'ai hâte de voir le résultat au cinéma. J'avais adoré ses précédents films comme Town, je crois que c'était Town, ouais. Et Argo. Argo, je vais vraiment, vraiment aimer. Je vais vraiment kiffer, ouais. Ding, 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 ding. Il ne reste plus que 10 secondes pour trouver le code. Tout ce que je viens de dire, là. Mais non, mais vous êtes débile. Mais comment je vais trouver ça, moi? Attendez, 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 attendez. Michael Keaton, deuxième Batman. Deuxième à incarner Batman au cinéma, donc deux. Joel Schumacher. Troisième à réaliser, à être le réalisateur des Batman film en 3. Et donc, j'ai parlé de Heath Ledger. Ledger. Deuxième Joker de toute l'histoire de Batman au cinéma. Donc, deux. Non, attendez. Mais non. Ledger, c'est le troisième Joker. C'est le troisième guignol. Donc, deux, trois. Humain. Qui êtes-vous? Où suis-je? Où est ma femme? Qu'est-ce que vous m'avez fait? C'est Enigma qui t'a rendu amnésique. Moi, je suis là pour délivrer. Viens avec moi. Je t'aiderai à retrouver la mémoire. Pourquoi je vous ferai confiance? J'ai une dette envers toi. Je t'aiderai.
pas, c'est pas mal, j'ai bien aimé. C'est un film ou du bouquin. Oui, ça reste un truc.